Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Allez, c'est bon, assieds-toi, vas-y. Mais c'est un délire. Oh purée. Il s'en remet pas. C'est pas possible. Beaucoup Ultra Instinct et Jiren qui vont débarquer vendredi 27 novembre. Mais réveille-toi, ma cocotte. Réveille-toi. Enfin, c'est enfin. Un délire. Yo, tout le monde, c'est Sofiane Nébuc. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis en compagnie de Ludivine. Comment vas-tu? Ça va bien. Coucou tout le monde. Barre-toi avec ton coucou tout le monde. On parle de Goku Ultra Instinct et Jiren. Qu'est-ce qu'on parle de Goku tout le monde? Les amis, ça y est, on y est. On savait qu'il allait avoir une grosse annonce le vendredi 27 novembre pour le Black Friday et également les 40 millions de téléchargements du jeu Dragon Ball Legends. Ils avaient annoncé que ça allait être la plus grosse célébration du jeu. Mais c'est pas la plus grosse célébration du jeu. C'est extraordinaire ce qui va se passer. On va enfin avoir... tu vois, les 2 ans de l'anniversaire qui étaient un peu foirés, bah là, ça y est, on y est, tu vois. On nous sort le coup. Calme-toi. Moi, si je suis contente, mais calme-toi. Non, mais c'est un délire. Alors, attendez, on va reprendre les choses dans leur contexte. Comment c'est? Est-ce que c'est fake? Non, c'est pas fake, les gars. C'est pas fake. J'ai été... je ne sais combien de fois identifié depuis cette nuit sur Twitter, Instagram, tout ça. Les amis, déjà, pour commencer, on va déjà regarder... comment ce leak est apparu? Regardez bien, ici même, c'est l'Apple Store officiel, ok, dans plusieurs pays, sur le jeu Dragon Ball Legends. Eh bien, new update, on avait Goku Ultra Instinct accompagné de Jiren Potakot. Tu vois ça? Ouais, tu franchement, vois. je vois bien. C'est incroyable, non mais regardez la beauté déjà du screen. Donc voilà. Certains ont même fait des vidéos depuis leur téléphone pour montrer comme quoi c'était pas fake. Donc je rappelle, hein, c'était cette nuit, hein, dans la nuit du 19 novembre au 20 novembre, là, aujourd'hui. Quoi? Comment Goku Ultra Instinct? Donc on avait fait des vidéos, on avait fait des prédictions, voilà, j'avais dit, ouais, je verrais bien arriver parce qu'il y a eu Champa, Vados, les 3 Clébards, le V-Jump qui nous avait annoncé Topo Dispo. J'ai dit, oh purée, vu que là, on est quand même sur la dernière grosse célébration de l'année du jeu, parce que c'est les développeurs eux-mêmes qui l'ont dit, que ça allait être vraiment une grosse célébration. Pour bien finir l'année. Ah bah, pour bien finir l'année, là, tu me l'as fini bien l'année, là. Hein. Ah, tu me l'as fini bien l'année. Plus que bien, même. Hein. Ah non, mais c'est incroyable. Donc voilà, je m'étais dit que, ouais, effectivement, beaucoup Ultra Instinct non maîtrisé et Jiren pourraient arriver, vu que... c'est une célébration qui va aller même jusqu'au mois de décembre, etc. Tu vois, pour Noël et tout. Bah, j'ai dit, ouais, il y a de fortes chances que ça arrive. Mais on prenait des pincettes, tu vois, parce qu'on s'est tellement hype pour les 2 ans à l'anniversaire que finalement, les 2 ans, ils ont été claqués. Mais là, ça y est, là, on a quelque chose de vraiment très intéressant. Franchement, j'y croyais pas du tout. Franchement, je suis super contente. Ah bah, même moi, je suis super contente. J'y croyais pas, hein, qu'il allait sortir là, franchement, pour le Black Friday. Je pensais vraiment pas. Mais moi, franchement, je me suis dit... il y a des chances, mais vous savez, on s'est tellement fait troll qu'au final... on sait jamais, tu veux pas t'enthousiasmer pour que final, voilà. Y a rien. Exactement, mais quand tu vois les 3 clébards, quand tu vois ensuite Topo Dispo par, annoncé par V-Jump, tu dis, oh... là, franchement, il faut un petit rapprochement. Là, on commence à se rapprocher, mais tu dis, attention, je prends des précautions, hein, tu vois, on met le préservatif, tu vois, parce qu'on se dit, ça se trouve, on va encore se faire avoir comme les 2 ans. Mais là, non, ça y est, ça a été pris, c'était sur l'Apple Store officiel dans plusieurs pays, donc je pense qu'ils ont dû faire des tests, tu vois, pour anticiper cette nouvelle mage de l'Apple Store, du Google Play, etc., qui va arriver d'ici une semaine, hein, le 27 novembre, les amis. Donc, jeudi 26 novembre, bien entendu, ça va être annoncé officiellement par les développeurs eux-mêmes, mais pour l'instant ils sont en train de préparer le terrain. Alors est-ce que c'était une erreur de leur part ou fait exprès, tu vois, pour encore teaser sur l'event, etc. Je pense pas que ce soit une erreur. Après, ils ont peut-être voulu voir si ça allait fonctionner, tu vois. Et merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, même quand on fait des vidéos, ça fait super plaisir. D'ailleurs, toi, si tu nous regardes et que tu n'es pas encore abonné, eh bien abonne-toi ici, c'est la passion de Dragon Ball, et max 2 pouces bleus également. Alors,
Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, comment j'ai su que Jiren et Goku Ultra Instinct allaient débarquer. Comme je vous ai dit, j'ai été identifié de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. Sauf que bah, moi, la nuit, bah, je dormais. Il dormait. Moi je dormais. Tu vois, Ludivine, ce matin, elle a s'est levée tôt. J'emmène les enfants à l'école. Voilà, elle a emmené les enfants à l'école. Et du coup, moi, si tu veux, moi, j'étais en train de, bah, de dormir, tout simplement. Je dormais, tout ça, Tu vois ce que je veux dire? Elle me dit, Je dis, Elle me dit, il y a des news sur Dragon Ball Legends. Je dis, Première chose, moi, c'est ce que j'ai vu direct. Moi, j'ai dit, tu sais, les news, ok, on sait, tous les jours, on a des news, tu vois. Elle me dit, non, mais il y a des news. C'est quoi? Goku Ultra Instinct, Jiren, ils sont annoncés. Bon, quoi? je me suis levé de lui, j'ai dit quoi? Non, c'est vrai, en plus, il a eu un sursaut. J'ai dit quoi? Non, mais j'ai dit, comment ça, Goku Ultra Instinct, Jiren, ils sont annoncés? Et là, après, j'ai pris mon téléphone. J'ai vu Twitter. Sofiane Le Geek. Waouh, j'ai dit, voilà, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, t'as un œil encore collé, t'as l'autre à moitié collé, tu regardes un peu le divine, et que t'as la gueule en travers, tu vois, tu dis, c'est quoi le délire, tu vois? Et là, je vois le Goku Ultra Instinct accompagné de Jiren. Alors, c'est attendez. C'est le meilleur réveil, hein. Ah ben là, c'est le meilleur réveil, ben, clairement. Alors, je vais vous le mettre quand même en plein écran. Ce screen, il est magnifique. Franchement, il est trop beau. Il est magnifique. Regardez. Les ombres et tout, c'est juste trop beau, ouais. C'est trop beau. L'allure du Goku Ultra Instinct, comme ça, qui est de dos. Et le Jiren, les bras croisés. Je les veux. Allez, veux. Alors, les gars, sachez que Ludivine, elle a quand même 10 000 cristaux. 10 000 cristaux. Elle a 10 000 cristaux. Là. Free to play. Hein. C'est free pas to play. Fini. Hein. C'est pas fini. Hein. Et c'est pas fini. Oui, attention. Et là, je farme au max. Du coup, vu l'annonce, je peux vous dire que je vais invoquer là. Alors là, c'est sûr. Mais moi aussi, je vais invoquer. Mais moi, ça va. Mais la question se pose. Non. Attends, c'est quoi ça? Je veux pas de ça, moi. Non, mais là. Bon, va falloir qu'on discute. Hein, parce non, que là, non, là, non, non, non. Là, les gars. C'est moi qui a raison. Là, je vous le dis, là, on va pas discuter, on va pas tergiverser 20 ans. On va pas parler d'un perso comme Migaté, genre 2-3 étoiles. J'en veux pas. Je veux le max d'étoiles. Si on peut aller... 14 étoiles. Je veux 18 étoiles même, s'il faut. Je veux les 18 étoiles, s'il faut. Non, c'est... Mais moi aussi, je les veux. Ah là, c'est moi, rigolo. Calme-toi. C'est... Ok. Non, c'est... On regarde pas. Donc voilà, non, les amis, alors maintenant, voilà, on va parler un petit peu des choses. Est-ce qu'il va être Legendary Finish? Est-ce que le Jiren également sera Legendary Finish? Tout ça, on y va doucement. Je pense, honnêtement, que même s'il s'agit de la forme de Goku Ultra Instinct non maîtrisé, certains m'ont demandé si, à mon avis, il allait être transfo. Je vais vous dire clairement, comme j'ai pu le dire lors de mes prédictions, je ne pense pas. Moi non plus, franchement, voilà. Ouais, non. Franchement, je ne pense pas parce que, voilà, ça serait de griller toutes leurs cartouches d'un coup, tu vois. On est sur le dernier gros event de l'année pour les 40 millions de téléchargements, le Black Friday, ça va englober en même temps une partie de Noël. Donc, tu te dis... Ils ressortiront plus tard, c'est ouais, obligé. Je pense qu'ils pourront ressortir plus tard, tu vois. Imagine, là, aujourd'hui, te le sortent le Goku Ultra Instinct non maîtrisé. Et ensuite, eh bien, aux 3 ans, ils peuvent te sortir un Goku Ultra Instinct forme maîtrisée, avec les cheveux gris, tu vois. Ouais. Et puis ensuite, l'année prochaine, tu vois, pour le Black Friday prochain, par exemple, eh bien, le Goku Ultra Instinct transfo. Voilà, c'est comme ça que Dragon Ball Legends procède, à moins que... Il décide vraiment de faire plaisir à la communauté et que là, il nous sort en transfo. Mais honnêtement, j'y crois. Il déballe tout, quoi. Voilà, il déballe tout, mais. Je vous donne. J'y crois pas à ce point-là. Donc, voilà. Oh là là, regardez comment il est beau, là, sur l'overlay, là. Regardez comment il est beau. Bon, par contre, celui-là, comme je vous ai dit, on va attendre un petit peu. Mais on a bien fait. Ça serait bien. Attention, ça serait bien. Ouais, ça serait comme ça. Ah, mais moi, je dis oui. Moi aussi, je dis oui, mais après. Ah, moi, il n'y a pas de problème, pas. Moi. Je pense pas. Moi, tu me le donnes comme ça, transfo, je prends. Tu vois. Mais bon, même tu me le donnes déjà comme ça, en version non maîtrisée, ça va être déjà la folie. Et je pense que même s'il s'agit de la version non maîtrisée, il sera Legendary Finish. Pourquoi? On n'oublie pas le fameux Kamehameha glissé face à Kefla. Face à Kefla dans l'animé Dragon Ball Super qu'on avait vu, il était exceptionnel. Franchement, il avait couru avec son Kamehameha, il avait glissé sur l'attaque de Kefla et bah, il lui a collé en pleine face. Je pense qu'on peut avoir ce genre de Legendary Finish qui peut débarquer, vous voyez, pour balancer voilà, le main attaque ultime. Et puis là, il se fait un Kamehameha et du coup,
l'IA prend en compte que le joueur en face va devoir faire une spé pendant la petite cinématique. Et là, Goku, lui, glisse sur l'aspect du perso. Et boum, caméra. Je suis impressionné, t'as beaucoup d'imagination quand même. Hein. Mais moi je peux bosser chez les Bandai. Et il a fait l'épisode là, ça y est. Non, mais voilà, je pense que honnêtement, il sera Legendary Finish. Concernant Jiren, je ne pense pas parce qu'il ne s'agit pas de Jiren Full Power. Je vois pas l'intérêt. Après, à moins qu'il soit transfo aussi, mais pareil, je n'y crois pas. Je pense pas que Jiren non transformé, qui n'est pas en Full Power, obtienne un Legendary Finish. Ça, le Legendary Finish de Jiren, j'y crois, mais pour le Jiren Full Power, voilà, une fois transformé, je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, bah non, ça sera pas tout de suite, faudra voilà. Attendre un petit peu. Moi, ouais, je après, pense aussi. Après, on est preneur. Hein, voilà. Non, on prend, tu le donnes, moi je prends. Il le donne, voilà. Y a pas de souci. Hein, non, mais clairement, voilà, moi je prends. C'est pas leur but c'est que tu continues à jouer, c'est ça. Et ça sortira plus tard. Exactement, après, c'est ça. Faut que, voilà, ils visent plusieurs années, hein, bien évidemment. Donc voilà, alors et maintenant. Et par rapport aux couleurs. Voilà, par rapport aux couleurs. Alors, si on en suit également la logique que j'avais faite lors de ma précédente vidéo sur les prédictions, où justement, je parlais de Goku Ultra Instinct Maîtrisé avec les fameux 7-7-7-7, et je vous avais dit, purée, ça fait penser également quand même à l'universel de Dragon Ball Super. J'ai pas arrêté également de Dragon Ball tout court. Je dis Dragon Ball Super, parce que le tournoi du pouvoir, c'est dans Dragon Ball Super, mais l'universel de Dragon Ball tout court. Je m'étais dit, voilà, on avait vu les éclaboussures bleues et les éclaboussures violettes. Alors, peut-être Jiren. Tu penses un indice, hein? Ouais, un indice, ouais. Je pense. Soit Goku Ultra Instinct et Jiren de couleur violette ou de couleur bleue, ou alors, et là, attention, les amis, c'est là où il faut ouvrir grand les oreilles, n'est-ce pas ma cocotte? Je te le dis. Elles sont grandes ouvertes. Est-ce qu'il n'y aurait pas encore d'autres persos? Oh, t'es gourmand, toi. Non. Souvenez-vous bien là de ce que je vais dire. J'espère que vous allez vous en souvenir. Je pense qu'on va avoir également au moins un, voire deux autres persos. Ok? Ah, je sais pas ça. Si. Parce que là, comme ils ont dit, ça va être la plus grosse célébration aux 2 ans. On a eu combien de persos? On en a eu 7. Avec le Goku Kaioken, le Paikuan, le Trunks Hikari, le Gata Isamatsu, le Goku SSJ 4, le VB, le Omega Shenron. Ouais, mais ils te sortent Goku Ultra Instinct là quand même. Bah, ils nous avaient sorti VB, mais. Ah oui, mais attention, c'est peut-être ça aussi la grosse annonce que voilà, c'est énorme. Ça va être déjà la grosse annonce, bien sûr, Jiren Goku Ultra Instinct. Mais je pense que ça cache encore quelque chose. Alors, est-ce que ça sera un perso aussi hypant que Jiren Goku Ultra Instinct? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est, je pense, peut-être quasiment sûr à 90%, on risque d'avoir un Zenkai Fusion. Et pourquoi pas revoir justement le Gogeta Transfo du film Dragon Ball Super Broly qui arrive avec son éveil Zenkai. Ou alors le Gogeta type rouge du film Fusion avec Janemba qui obtient son Zenkai. Un Gogeta, allez. Voilà, un petit Gogeta. Allez, voilà, pour la fusion à Zenkai, je pense que ça peut arriver. Je suis réveillé en sursaut ce matin, elle m'a réveillé, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quoi, Ultra Instinct? Et après, voilà. Je pense qu'il y aura un portail Goku Ultra Instinct non maîtrisé, après Jiren et un portail. Alors, fait, ouais, c'est. Alors, ouais, soit. Il y aura deux portails, à mon avis. Soit ça sera sur le même portail, le même step-up, moi, je pense pas. Ou alors deux step-up différents. Tu vois, Goku Ultra Instinct, compagnie, imagine-toi avec du Vegeta Blue Evolution, j'en sais rien, tu vois. On va y aller doucement. Moi, je pense qu'il y aura deux portails, voilà. C'est pour que tu dépenses un maximum. Voilà, pour dépenser un maximum. C'est le but. De toute façon, les gars, on va pas se mentir. Le jeu en ce moment, il est généreux de fou. Bah non, oui, mais c'est pas pour rien. Ouais, moi, les gars, regardez, j'ai quasiment 6000 cristaux free to play. Pourtant, je suis un cash player. Hein. Ludivine, 10 000 cristaux. 10 000 en free to play. Bon, voilà. Rien que là, voilà. Il y a eu la mise à jour, je crois, j'ai débloqué presque 2000 cristaux. Ouais, c'est incroyable. C'est 2000 incroyable. Cristaux gratuits comme ça. Donc, c'est incroyable, c'est incroyable. On va voir Goku Ultra Instinct. Hey, les amis, je compte sur vous. Activez la cloche, les notifications. On va faire des live invocations, des duels invocations. Okay, on va tester les persos. Oui. C'est sur invocation là. Ah là, c'est bon là, les gars. On n'est pas prêt, mais il y a trop de choses qui arrivent. Dokkan, il y a eu Super Dragon Ball Heroes. D'ailleurs, il y a une vidéo duel invocation. Le retour contre Yekace qui va bientôt arriver sur la chaîne aujourd'hui ou demain. Donc, activez la cloche. Il y a également la PlayStation 5. Voilà, j'ai fait la vidéo unboxing. On va faire des lives sur la chaîne Twitch. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et là, voilà, hop, je vous mets Sofiane le Geek. N'hésitez pas à activer la cloche, etc. Et puis bon, bah là, voilà, Dragon Ball Legends à partir de vendredi prochain, 27 novembre. Ça va être trop long d'attendre. Incroyable. Voilà, les amis. Sur ce, max 2 pouces bleus sur cette vidéo. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te dis à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao. Ciao tout le monde.
Eh hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Non, yeah.